Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Aujourd'hui, on vous parle du ballon rond. Nous avons décidé de vous faire plonger au cœur de l'équipe des Cagous. Après avoir perdu 2-0 en Nouvelle-Zélande, ils devaient gagner pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Je vous laisse en compagnie de nos joueurs calédoniens. Les coulisses, c'est tout de suite. Tu penses quoi du match demain? J'en pense qu'il faudra le gagner puisqu'on a perdu le match aller là-bas en Nouvelle-Zélande. Mais déjà surtout pour produire un bon spectacle. Après, le résultat, s'il doit venir, il viendra de lui-même. Si on joue bien, si on est sur une bonne optique et on joue comme certaines séquences en Nouvelle-Zélande, on devrait pouvoir le faire facilement. Il faut qu'on marque ce petit but qui peut nous... Ça fait deux matchs contre la Nouvelle-Zélande dont on ne marque pas. Il faut qu'on marque ce petit but qui peut nous faire déclencher peut-être la suite. Ce matin, donc, on rentre à l'hôtel. On se repose, pas de piscine. On va au soin, on va se faire masser par Bruno. Les petits bobos, vous allez voir le doc. Par Godzone. Pareil. C'est Godzone en basque, ça veut dire Bruno. Donc il voit pour les ceux qui ont besoin d'anti-inflammatoires. Et après à midi, repas, on se repose et à 3h on part à l'entraînement et on s'entraîne à Yoshida. C'est bon? Ok. Allez, je te croyais, René, coup là, un petit coup de... J'ai joué à tour. Attendez. Rangez ta chambre. Voilà, voilà, c'est la chambre. Je suis avec mon collègue de chambre, Jean-Brice Odiaco, c'est mon petit frère, on vient des îles. Nous on est des planches à voile, mais bon. C'est bien, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu le désordre, voilà, c'est normal, c'est comme ça. Chambre des garçons. C'est chambre des garçons. Enfin, c'est toujours, sélection, c'est toujours comme ça. Mais bon, on va essayer de mettre un peu l'hygiène de vie, essayer de se comporter comme des professionnels, ouais, des semi-professionnels, on va dire comme ça. Let's go! Chacun son tour. Et en attendant, on s'occupe avec la musique. Pas temps. Non, ça n'existe pas Facebook ici. Ah ouais. Facebook, c'est interdit. Oh! Ah! C'est le kiné. Super Mario. Ah, mon fils qui va être intéressé. Et pas trop dur physiquement les matchs enchaînés comme ça. Oui. Ça va. Hein. Ça va, c'est des jambes lourdes et tout, mais on a la chance d'avoir les dogs kinés pour me permettre de récupérer long, au plus vite. Long, un travail excentrique. C'est pour gagner l'amplitude au niveau musculaire et des mouvements. Donc on étire les muscles de façon active. Pousse pour gagner la souplesse sans perdre la force. Comme ça la frappe est plus importante. Pousse. Voilà. Ça fait si demain je frappe pas, pousse, il va m'engueuler. Relâche. La récup. La récup c'est très important. Il n'y a pas une grosse blessure en Nouvelle-Zélande, ça va? Les joueurs sont rentrés en attaque plutôt? Ouais, ça va. Ben, je sais pas, il faut demander au kiné parce que c'est lui qui voit beaucoup plus de joueurs s'il y a des joueurs blessés. Mais là, apparemment, comme il n'y a personne ici, ça veut dire que ben, ouais, tout le monde est au top. Pas beaucoup de blessures. Hein. Du coup, ils sont où les gars là, en ce moment? Ben, je sais pas, peut-être qu'ils sont dans leur chambre ou des fois ils sont à la réception, devant la piscine en train de... d'appeler la famille un peu partout.
sais pas à quelle heure est-il, à quelle heure marche midi. C'est quelle heure là? Il est 11h15, c'est bon, tu peux rester ouais, là. C'est bon. Là, je te prends après. Je pense que c'est un buffet. J'ai jamais vu ça, mais bon. Voilà. On va faire avec. Ensuite, moi je suis là, à la cagotte. Filme le verre. C'est celui qui va nous sauver demain. Ruiné. Voilà, on a fait simple. Là. Ça, c'est que l'entrée. Une salade de poisson, comme vous pouvez le voir, accompagnée d'une salade de chouchou. Avec des œufs avec la mayonnaise fait maison. Tranquillement pour aborder l'entraînement de cet après-midi. Moi je suis à Amiens, Amiens C. On est en Ligue 2, pareil comme César, Zéoula, il est à Laval, en Ligue 2 aussi. Et bien là c'est bravo parce que mon collègue il m'a enfermé. Il a pris la clé, la carte et il m'a enfermé dehors. JB! Ah, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça. Purée. Ça fait du bien de retourner un peu au pays? Ouais, ça fait du bien. Hein. Ressourcer un peu. Moi, déjà que ça fait trois ans que je suis pas venu. Et là, je reviens avec le biais de la sélection. Ça fait vraiment plaisir. Je suis content d'être là. On me ressourcer un peu, trouver un peu la chaleur, voir un peu la famille. Pour me donner un peu la force encore pour continuer là-bas dans le froid. Et c'est une fierté pour toi de jouer pour les Cagoules. Ben, quand on porte le maillot de la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours une fierté. Hein. C'est comme quelqu'un qui joue en équipe de France. Hein. C'est une fierté pour lui de porter le maillot de l'équipe de France. Ben, c'est pareil comme nous. Nous, on est une sélection. On est quelques pros, on n'est pas beaucoup, mais bon. Moi, je suis fier d'être, voilà, de porter le maillot du pays. Fier d'être cagou. Voilà, ça c'est la chambre. Là on va faire une sieste là avec le collègue, le petit frère. Je veux pas dire collègue parce que ici nous on est tous frères, on se connaît. C'est pour ça que j'ai dit c'est le petit frère, on se respecte. Bon et là c'est quoi là? Là c'est la sieste. On va se reposer parce qu'à 15h il y aura la petite séance d'entraînement, veille de match. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de se reposer. Là, on est un peu, comment dire, je vais pas dire que c'est le bordel, pas loin, mais bon, on est rentré hier soir, on a beaucoup de choses à faire, on n'est pas beaucoup, on essaye de faire pour le mieux. On n'a pas la chance d'être comme les Néo-Zélandais, à une quinzaine à s'occuper de juste des joueurs. On est deux ou trois, et donc c'est un peu difficile. Mais bon, on y arrive quand même, on y arrive. Nous, les ballons avec quoi on joue demain, c'est ça. Donc les gardiens surtout qui travaillent un peu avec les ballons de match. On regarde l'organisation des All Whites, des Néo et la nôtre. Voilà. Mais on s'en amuse parce que c'est pas comparable. On n'est pas. Le staff, vraiment beau staff. Et nous on a que ça. Non mais ils ont pas mis. J'ai Jean-Marc, j'ai moi, j'ai le docteur, j'ai le kiné. Ils ont des oubliés. Et eux, ils peuvent faire une équipe de foot à 11. Et nous, on peut faire du futsal, mais sans remplaçant. Voilà. Il y a Jean-Marie. Comme gardien. Il y a Jean-Marie comme gardien. Il y a Jean-Marie dans les buts. Le doc dans les buts. On peut pas s'en sortir. Le kiné dans les buts. Ok les gars, on est à peu près à une heure près à l'heure du match. On aura cette température demain. Il ne fait pas très très chaud non plus. Donc ce soir, on va faire une petite séance courte, encore comme on a fait la semaine dernière. Taureau, on commence taureau, 4x3. Un peu de vitesse avec finition devant le but. Ouais, il y a des équipes qui. Ceux qui ont fait la vaisselle la semaine dernière, là, ils ont la revanche à prendre des buts qui ont été marqués. Car la vie elle kick sec, trop besoin de travail. J'ai tout dit, tu fais, je vous montre en
Bébé mon gars, dans les médisants, les beaux frères comme la paix, je m'intrace. Écoutez, pas bavarder, croire en Dieu, tu peux me croire, ça va barder. Garder la foi, ne jamais baisser les bras et que le ciel nous garde tant qu'on y croit. On est prêts? C'est bon les gars là? On va voir. Voilà. Les gars, l'équipe qui perd ramasse tout le matos et ce soir il récupère tous les équipements. On est prêts? On part à droite. C'est parti. Bah franchement je suis très surpris de la qualité de la pelouse parce que auparavant quand je jouais ici quand j'étais en mini Benjamin avec la Cieta, bah c'était pas comme ça en fait, on jouait derrière et tout et là je suis agréablement voire même très surpris de l'état du terrain. Donc on va s'entraîner là avant le match de demain. Avant le match de demain. Puis on verra bien comment ça se passe. Mais bon. Là, toutes les conditions sont réunies pour qu'on fasse un très grand match. Ok, bon. Je m'afflige des souffrances, endurcir ma carcasse. Et devant les Babylones, pas moyen, faut que je trace. Faut pas trop parler dans la vie, c'est comme ça. Non, man, joue pas trop les champions. 6 purée, c'est une machine à marquer, les mecs. 6 7 Faut pas trop parler dans la vie, c'est comme ça. Non, man, joue pas trop les champions. 13 pour le but que tu t'es fixé. Continuez pas cesser tous les jours pour boxer. À vous mes frères que je ne reverrai plus, à vous mes sœurs je suis parti, soigner mon vécu, conquérir le monde, accomplir ma destinée, que Dieu m'aide, je te jure, je me bats, faut qu'il m'aide, j'ai pas peur fini de l'enfer, trop la foi pour flipper. Ben surtout Wabé parce que comme il a aucune chance d'en tirer un demain, autant qu'il profite ce soir. Et la sort, elle s'envoie là. Allez. Jean-Marc, il y a Wabé qui frappe. Fais gaffe. Je t'avais dit. Allez, on rentre, allez les gars, allez. C'est ça. Allez, allez, au vestiaire. Quelles sont les conditions que vous avez mis en place avec le staff et le coach pour affronter cette belle équipe néo-zélandaise? On a mis le petit, notre petit Nemoun devant en attaque, parce qu'il est très rapide. Et derrière, on a mis tous les défenseurs, juste derrière le gardien, pour refermer le but. On m'a dit que c'était une première en province nord d'accueillir une telle rencontre, donc qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue personnel? Ouais, ben. C'est. Coupez, coupez. Pour vous proposer un petit montage vidéo que Romain nous avait vite fait ce matin, pour montrer quelques petites erreurs ou erreurs qu'on a pu faire et aussi ce qu'on a fait de bien. Et peut-être essayer sur les centres de trouver cette zone là, sur des ballons par terre et non pas en l'air, on a fait trop de ballons en l'air. Si on arrive à trouver cette zone avec un ballon fort par terre, peu en défendant vers leur but, ils vont être embêtés. Et nous, si on arrive à rentrer entre les défenseurs, sur des ballons par terre, on peut les jouer plus facilement que de mettre des ballons en l'air où on est pris systématiquement. Bon là, le centre est raté. Peut-être fort devant le but. Peut-être ça la solution aussi. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire. Il y a ce qu'on fait tous les 4 ans, une poule de qualification à jouer. On joue toujours les mêmes équipes et chaque fois, on se fait taper par les Néo-Zélandais. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on va se dire que ça va suffire, ça. Et qu'on va aller le reposer comme on a su le faire, je le répète comme samedi, en Papouasie, leur imposer notre jeu, leur mettre de la folie comme dit Dominique. Parce que si on ne met pas de folie, c'est qu'on n'est pas l'équipe de Nouvelle-Calédonie, on n'est pas les Cabous si on ne met pas de folie dans le jeu. Et si on arrive à mettre à mélanger notre insouciance, et dès qu'on a plus le ballon concerné, de la rigueur, et de suite on ferme, et de suite on récupère, et de suite on est présent au duel, aujourd'hui ça va passer. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Nous on joue, à part 2 ou 3, on joue dans notre petit championnat local, qui vaut ce qu'il vaut. Ceux qui critiquent, on les laisse parler. Et est-ce qu'on est capable de faire 90 minutes aujourd'hui sans prendre de pion? Parce qu'on va être concerné tout le match. Est-ce qu'on est capable? C'est vous qui avez la réponse. La vérité, elle sera cet après-midi à 17h à Yoshida. À 19h, on sort avec une victoire.
À 19h, on est content d'être tous ensemble avant de se quitter pour quelques mois, pour certains. Mais on est content d'être tous ensemble aujourd'hui parce qu'on va aller chercher le résultat tous ensemble. Ok les gars? Et aujourd'hui, on compte sur vous. Samedi, c'est des petits trucs bénins, mais je veux dire, on a joué en Nouvelle-Zélande, ils prennent le banc qui décide, et nous on arrive chez nous, on est devant le fait accompli, on doit se déplacer de l'autre côté, donc voilà, c'est ça qui me dérange. Et si on joue chez nous, c'est quand même nous encore qui choisissons, et enfin, bref. La petite importance d'être sur le banc côté derrière l'arbitre de touche, c'est quand même des petits trucs, c'est peut-être bénin, mais... C'est calculé par les Néo-Zélandais de pouvoir faire un peu la chanson derrière l'arbitre de touche. Voilà, ils l'ont fait samedi et là ce soir ils se replacent côté arbitre de touche, c'est ça qui me dérange. Après ça ne changera pas le résultat, si on doit gagner, on gagnera. Voilà, je suis entraîneur, je remplis la feuille de match aussi, c'est bien. Scoop des MPT. 1, 2. On te dit ce matin. La pression, ça se voit. Et ça se garde pas sur soi. Chauffé ou chez du muscat? Oui, c'est chaud, très chaud. La médecin. Ça, c'est une technique. Tu mets les moulets pour s'échauffer et c'est là que tu vois par rapport au terrain s'il faut mettre les baissés ou les moulets. Qui là, Thomas? Je sais pas. On a la fédé, ça. C'était fort quand même, bien la réunion. Montastif. J'ai venu le truc pour pas qu'il va. Montastif. Montastif. Hein? Le plan de jeu, on le garde. On essaye de les faire bouger sur la largeur, trouver de la profondeur. On reste bien concentré, bien rigoureux sur nos replacements défensifs. Si on arrive à gommer ces petites fautes, on va les taper aujourd'hui. D'accord? Ok, les gars? Allez, on respecte bien ce qu'on a vu ce matin et samedi, là. Allez. Ok, l'avance. On donne tout, on est chez nous. On est chez nous, faut qu'on montre aujourd'hui qu'on est chez nous. Hein. Ok, l'avance. On a tout fait pour avoir ce match sur Connais. Maintenant, on donne tout aujourd'hui. On a tout fait pour arriver à aujourd'hui. Maintenant, si on est des hommes, si on est des hommes là aujourd'hui du pays, on va leur montrer c'est quoi. C'est quoi la Calédonie, c'est quoi le pays ici. Ok, la bonne. Okay, on donne tout jusqu'au bout. Allez, pour les hommes, je allez. On gagne les duels, les gars, les duels importants aussi. On est présents au duel. Les remplaçants. Allez. Ouh. Chazib sécurité. Allez, attends, allez. Thomas, tranquille. Moi j'ai confiance à toi. Allez. César. Joris. Allez. Long ballon aérien, contrôle de Georges Gopé-Dépêche, magnifique. Grand pont, voilà, ça joue.
avec Brice Daïté, le relais, Jordan Pélépès d'Arrocaille. Ah là là, dommage. Zéoula, Zéoula, de nouveau sur le côté vers Joris Mayne. Le centre, Joris, c'est pas bon. Le défenseur néo-zélandais, c'est Sanson. Toujours. Allez, Zéoula, corner sortant, vers Sanson. Le dégagement de Wood, ça revient vers Bertrand-Taille, on remet dans le paquet vers Sanson, la tête de Sanson. Oh là là, c'était chaud. Et attention à ce contre. Beau tacle de Joël Wakanouine. Le match qui s'anime, Kevin, c'est plutôt bon signe pour l'instant. Allez les gars, s'asseoir. On va attendre qu'il y ait. Continuez à boire, récupérer. On va pas parler beaucoup. Il y a des petits réglages à faire, mais il n'y a pas grand chose à dire sur la mi-temps. Allez. Ce match est à notre portée cet après-midi. Et on a fait 45 minutes. Comme je vous disais, le plus dur peut-être pour nous, c'est la récupération. On n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. C'est pour ça qu'on a essayé de faire très court dans les entraînements ce matin, pas vous embêter, pour que vous reposiez. On n'a pas les moyens, je vous disais, des équipes, de ces équipes-là pour récupérer plus vite avec des gens, avec du matériel surtout, parce que les gens, on les a, du matériel et tout. Et nous, ce qu'on va mettre aujourd'hui comme ingrédient, eh bien, c'est qu'on va aller, si, au lieu d'être à 90, à 100%, on va être à 110, 120 jusqu'à la fin. Et là, on va dépasser nos limites. Si on est fatigué, on le dit aussi, il y a encore deux changements possibles. Mais on va au bout de ses forces. On lâche rien. On ne triche pas. Si on est fatigué, on est fatigué. C'est normal, on fait les changements. Mais on va jusqu'au bout de ce match. Ok ? Il y a Dom et Wawes qui vont vous donner quelques petites consignes individuelles sur certains joueurs. Hein ? Les gars, on est bien concentrés sur cette deuxième mi-temps. Ok, on est à l'écoute là, hein, les gars. On lâche rien. On n'a pas fait ça pour rien. Ok, allez. Sur les côtés, j'ai dit à Razès, sur les côtés, ça passe largement. Largement. Brice, à la vitesse, t'as vu le mec là qui est à gauche, hein. Tu le fixes, tu pousses en 2-3 mètres, il est mort. Chaque fois. Compris? Après, dès que voilà qu'on lui dit, dès que vous avez perdu le ballon, vous revenez. Mais il faut qu'un contre un, ça passe largement. Ça passe largement. Ok, les garçons. Allez, on ramène la victoire aussi pour Roy. On lui ramène la victoire. Allez. C'est de plus en plus roulé. Georges Gopfenepège. Zéoula qui fixe. Zéoula qui décale. Georges Gopfenepège, c'est bien joué. Le centre de Gopfenepège. Oulala. Superbe mouvement là. Côté gauche et Bertrand Caille qui était. Ça commence à être difficile à vivre. C'est un match très intense. Merci, les gens étaient stressés, ça y est, ça monte ici aussi en loge. Oh là là, Bertrand, faut te calmer. Pas de bon goût. Allez, reste en courant pour Bertrand. On y a un passe à 10. Putain, avec ton encas, putain.
chier là. Putain. Oui, là, ben. Putain. En plus, t'as l'air, j'aime bien vivre, la vie va marquer, bon, ok. Et là, je suis vieux, gros. Hein. Bon, là, regarde. Moi, le DD, il est vraiment bon, je voulais faire ça. J'ai vu les mecs arriver. Putain, je vais allumer les coups du riz. En plus, tu venais comme ça. Oui, oui. C'était bien. Sur les plaques du pied, c'est la même chose. Mais en plus, on a travaillé ça, notre amour, hier. Ça nous a fallu travailler. Oui, non, t'es pas le travail, le matin bonheur. C'est ce qui te rend le plus fier de tes amis. C'est les garçons déjà, parce que l'investissement qu'ils mettent, avec le peu de moyens qu'on a, des fois on est un peu pas en galère, mais pas loin. Et puis on est là, on est toujours présent, c'est ça qui est intéressant. Une première dans le Nord, la fête elle a été belle, voilà ce qu'il faut retenir. J'espère qu'il y aura d'autres moments à vivre comme ça, pour moi, pour les joueurs, pour le public. Voilà, match nul des Cagous face aux Néo-Zélandais, mais il leur reste encore des chances de se qualifier. Rendez-vous au mois de juin 2017 pour le verdict. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.